You've understood the reality of the past and of the present, Winston. Now, what of the future? A question. How does one man assert power over another? By making him suffer. Exactly. Obedience is not enough. Power is inflicting pain and humiliation, otherwise you cannot be sure. Power is tearing human minds apart and putting them together again in new shapes of your own choosing. Power is not a means, it is an end. In our world, there will only be triumph and self-abasement. Everything else we shall destroy. The past is forbidden. Why? Because when we can cut man from his own past, then we can cut him from his family, his children, other men. There is no loyalty except loyalty to the party. There is no love except love of Big Brother. All competing pleasures we will destroy. If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever. Winston, you are thinking that my face is old and tired, that while I talk of power, I am unable to prevent the decay of my own body. But the individual is only a cell, Winston, and the weariness of the cell is the vigor of the organism. You fail. Why? It's possible. Hatred and fear have no life. Why is hate less vital than love? I don't know. But somehow you fail. Something will defeat you. Life will defeat you. We control life at all levels. We create human nature. Men are infinitely malleable. Or perhaps you return to your old idea that the proletarians will arise. Put it out of your mind. They're helpless animals. Humanity is the party. I don't care. In the end, they'll beat you. Sooner or later, they'll tear you to pieces. On what evidence? Goldstein's book. I wrote it. Or at least I collaborated in writing it. No book is individually produced, as you know. I just believe it. I know you'll fail. Something in this world. Some spirit that you will never overcome. What is it, this principle? I don't know. The spirit of man. And do you consider yourself a man? Yes. If you're a man, you're the last man. Your kind is extinct. We are the inheritors. Do you understand that you're alone? You're outside history. You unexist. Bon. Pas évident d'en revenir après ça. OK, on va retenir cette belle phrase-là. Alors, bienvenue sur ma chaîne Aléa 333. Et oui, nous sommes en 1984. On n'est pas en 2018, là. Donc, si on traduit, pour juste retenir, parce que c'est dur à comprendre, il parle pas fort, c'est comme en chuchotement avec l'accent britannique. Alors, pour juste retenir cette phrase-là, si tu veux une vision du futur, c'est le Big Brother qui parle à Weston. Qui est enchaîné, là, qui est attaché, qui est torturé.
Donc, si tu veux avoir, si tu veux une vision du futur, fais juste imaginer une botte qui étampe le visage d'un humain, d'un visage humain pour toujours. Parce que c'est ça, ils veulent avoir le contrôle. Et puis, comme ils le perdent, ben, c'est pour ça qu'ils implémentent des lois très draconiennes, très orwellienne, très 1984 avec le moi ce qu'il l'appelle le je sais pas comment le dire en français le compact migration comme ce qu'ils disent ça le pacte signature. En tout cas ils vont signer la fin, nos leaders vont signer la fin de nos souverainetés, on pourra plus critiquer l'immigration massive. L'immigration illégale, on ne pourra plus rien contester, c'est 1984 là, sur les stéroïdes. Alors, c'est pas Jojo. Alors, je trouve pas ça drôle. Voilà. Est-ce que si je m'en vais sur ma prochaine, ouais, voilà. Alors, oui, nous sommes en 1984. Et puis, bon, ben, pour. J'ai eu un beau message de Denis Bolduc aujourd'hui sur Patreon. On va en profiter pendant qu'on a encore le droit de l'utiliser. Je suis pas d'accord avec tout. Moi, j'adhère beaucoup à la pensée de Jean Némard. Surtout quand il parle de réincarnation, moi, je trouve ça un peu. J'ai un petit peu de misère avec ça. Qu'on revienne tout le temps puis qu'on se rappelle pas de nos vies passées, puis de nos surtout de nos erreurs. Parce que si on s'en rappellerait, il me semble qu'on essaierait de ne pas les répéter. En tout cas, ce sera un long débat. Je sais qu'il me dit à la fin du message qu'il aimerait bien qu'on parle en vrai. J'espère qu'on va avoir la chance. J'aime bien qu'est-ce qu'il dit. Salut à l'ETA 333. Je te salue bien bas à mon tour au début de l'éveil. Là, je ne sais pas comment. Tous tes sens sont bombardés. Voilà pourquoi nous sommes confus. Nous nous posons toutes sortes de questions, la vie, la mort, notre passé, etc. C'est voulu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tu reprends ta souveraineté, qui tu es en fait, tu fusionnes le miroir. J'ai souvent parlé du miroir en 2002 dans mes peintures, l'autre côté du miroir, puis le traversé. On se rejoint vraiment. Donc pourquoi? Parce qu'en ce moment, tu reprends. Ok. Tu fusionnes avec le miroir. Appelle-le comme tu voudras, esprit, maître, etc. Pas ton âme. L'âme est la bibliothèque de tes vies antérieures. Bon, c'est là que là, j'ai un petit peu de misère. On pourra en discuter un jour, plus davantage. Elle contient ton savoir à toi. Je ne suis pas plus sage que toi. Mon chemin est juste différent que le tien. Il n'y a pas de maître ou guide pour t'aider. Tout est en toi. C'est toi la clé de ton éveil. Oublie le passé, facile à dire, je sais, je ne veux pas dire des faciles passés de ta mémoire. Ce que je te dis, c'est pardonne-toi, ce que tu as vécu, tu devais le vivre. Pourquoi? Pour t'amener là où tu es aujourd'hui, en te pardonnant à toi, ce qui est le but, tout te sera pardonné et c'est à ce moment, non, excusez-moi, c'est à ce moment que tu trouveras ta propre clé de vie à toi. L'humanité, tu n'y peux rien y faire. Tu peux rien y faire. Tu peux la changer. Beaucoup trop nombreux, et en plus, aucun ne peut être sauvé que par lui-même. Tu peux permettre à des gens près de toi de commencer leur réveil, mais tu ne peux pas les amener sur leur chemin. Chacun doit trouver sa clé et son chemin à son rythme. Tu as raison, ce qui s'en vient va être très difficile, mais dis-toi, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut traverser la douleur qui nous rendra plus forts pour vivre en harmonie. Le passé est fait, on ne peut le changer. La clé, vive le moment présent. Le futur change à chacune de tes respirations. Peut-être un jour, nous aurons la chance de discuter ensemble. Tu auras des choses à m'apprendre parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Prends soin de toi. Eh bien, toi aussi, cher ami. Parce que, bon, ça fait du bien des messages comme ça dans une période très noire, très sombre. Ça, c'est un commentaire sur mon vidéo sur la noirceur. Alors, parce que c'est pas mal élevé, là.
toutes ces histoires-là. Puis bon, il y a quand même des gens qui se battent contre ce pacte-là, ce pacte de migration qui va être signé le 11 décembre 2018. Marrakech, c'est Maroc, je pense. En tout cas, c'est... Il y a des opposants. En tout cas, on a ici Faith Goldie qui milite. Il y a quand même des voix qui s'élèvent contre ça au Canada. Je garde espoir, mais malheureusement, on est entouré de moutons et de gens qui suivent et qui se soumettent aux gens qui dirigent, à ceux qui dirigent, aux maîtres. Les gens ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, alors c'est pour ça que ça va être bien difficile de sortir de ce trou-là, de cet abysse-là dans lequel on s'en va. Alors, j'essaie d'être optimiste. C'était ça la lueur d'espoir, la chandelle que j'ai allumée. Chandelle virtuelle, mais c'est une chandelle symbolique. J'espère que les choses vont tourner autrement d'ici le 11 décembre. J'attends, comme on dit, l'événement miracle, un peu comme un genre de WikiLeaks ou quelque chose qui va sortir. Il va se passer quelque chose. J'espère qu'on va... Comment est-ce qu'ils disent en anglais? Turn this event around. Qu'on va empêcher ça, que l'humanité va s'unir vraiment. Je pense que c'est maintenant on est rendu là. On va pas aller marcher dans les rues pour des futilités puis des conneries. Notre souveraineté, ça devrait être la chose la plus importante. Si vous voulez continuer à être libre comme vous l'êtes présentement. Sinon, ben, coudonc. C'est la fin. C'est dommage. En tout cas, je vais vous laisser sur une note plus positive et plus joyeuse. On va danser. J'aime ça danser, comme vous le savez. J'ai dansé pour l'Amérique avant les élections de mi-mandat. J'ai la chanson America, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Je pense que c'est Trini Lopez. En tout cas, j'ai eu bien du plaisir. Alors, dansons. Parce que là, c'était éveillé, le film, ce film-là, 1984. Là, ouf. Allons-y, dans le même thème, le VJ de votre cœur, DJ et VJ de votre cœur, Hermès. Va vous plugger, mon Dieu, c'est du New Wave canadien. Alors, oui, nous sommes vraiment en 1984, et c'est ce qu'ils disent justement dans la vidéo, mais c'était en 1984, cette vidéo-là. C'était Black Station, White Station. Ben c'est vrai que c'était, tu sais, des couleurs qui se mélangent, ben c'est surtout le noir et blanc. Les mix ethniques, des blancs et des noirs. Mais c'est plutôt le mix de tout le monde, finalement, qui veulent les Nations Unies. Attends, je voulais pas vous laisser avec... comment que ça s'appelait, la campagne de Benetton dans les années 80? Couleur... On va aller voir ça avant. Couleur United. Campagne... Ça, c'était quoi dans... Je pense que c'était dans les années 80, me semble, non? On en a ici des exemples. C'en est-tu ça? Ben oui. Mais c'est pas des grosses images, hein? C'est. Il aurait pu se forcer. OK. Bon. L'avoir. Ah, pas ça. Ça, on n'est jamais capable. C'est afficher l'image. Ouvrir l'image. Voilà. Bon.
On a ici un exemple, c'est ça. United Color of Benetton. Alors, je vais garder ce Q-là pour ma version anglaise. Là, j'y ai pensé un petit peu trop tard. Alors, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça qu'ils veulent. Alors, c'était déjà, comme on dit, planifié, programmé dans les années 80. Et puis là, bien, c'est en train de se concrétiser vraiment. C'est déjà, on est déjà en marche vers cela. Alors, allons-y vers la Black Station, White Station de nos amis Martha et ses muffins. Muffin au bleuet, muffin au canneberge. Non, c'est muffin au chocolat. Alors, allons-y, on danse. À bientôt! Ça va détendre l'atmosphère parce que là, c'était pas mal lourd. Thank you.